On Okay, commence? Joe, is it the screen sharing, is it fine? Yeah, it's good. All right. So okay. So now we recording or we starting? Don't forget to report. Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde au cinquième webinaire de Nkelo Bantu. On est en train d'attendre les participants qui petit à petit sont en train de nous rejoindre. Nous sommes très heureux que vous soyez tous là. Donc on a fait un petit tour de table déjà entre nous en offline avec les différents panélistes. J'ai bien sûr ma co-host, my lovely co-host Mianda qui est là. Je te laisse Mianda la parole et afin de pouvoir dire bonjour à nos participants le temps que de mon côté, je m'assure que nous sommes bien live sur Facebook. Merci pour la parole. Bonjour à tous et bienvenue au cinquième webinaire Nkelo Bantu. Moi, je me nomme Mianda Ton et je suis Head of Business Development chez Sodeco Développement. Très heureuse de pouvoir accueillir encore une fois un panel très intéressant qui va partager avec nous leur perspective sur la réintégration du personnel. Et je sais que c'est une question qui préoccupe un peu tout le monde. On est en train de passer une période de transition allant du télétravail au retour au présentiel, au bureau. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'occupations. Et nous pensons que voilà, nos panélistes sont les meilleurs à pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc voilà, Joe va introduire... le thématique. Donc, je vois que nous avons déjà plusieurs participants qui sont en train de nous rejoindre. Bien que vous ne vous voyez pas, nous sommes aptes à voir combien de participants nous rejoignent. Donc, nous avons un panel assez international, comme toujours, qui est le Bantu avec son caractère sans frontières, arrive à pouvoir réunir des experts au-delà de la RDC. Et nous avons aujourd'hui une panéliste essentiellement anglophone, c'est Edith Mazioffa. Welcome again, Edith. We're so glad that you could join us and that we can have more than just French on the webinar. It makes it very interesting to have more than language. Thank you, Mianda. Talking about diversity, we're applying diversity. Yeah. Effectivement, it makes it more Pan-African. That's the idea. Donc, encore une fois, bienvenue à Nkelo Bantu. Alors, la thématique d'aujourd'hui, on touche la gestion de carrière et on parle surtout de quelle est cette nouvelle normalité dans le monde du travail par rapport à la réintégration du personnel. Et donc, avant de nous lancer, on va rapidement... présenter Nkelo Bantu, ce qu'est Nkelo Bantu. Donc, je recommence par me présenter moi-même. Je suis Joe Mupondo, directeur général de Sodeco Développement, qui est une entreprise dans le groupe Sodeco. Et je suis également administrateur délégué du groupe Sodeco. Encore une fois, bienvenue à Nkelo Bantu, qui est une initiative de Sodeco, ainsi que de la Swedish Workplace Program, donc du programme de travail suédois, qui est un programme du conseil ou du Mianda, tu peux m'aider en anglais, le International Swedish Council. Comment est-ce qu'on le dit en français? International Council of Swedish Industry. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on le dit en français? Le Conseil international des industries suédoises. Merci. C'est parfait. Donc, vous voyez, chers participants, que nous avons des bilingues ici. Donc, on va des fois switcher pour que notre invité Edith ne soit pas, ne se sente pas
we translate to make sure that also our participants who are English speakers can participate, engage with the panelists. Okay, noted. Voilà, très bien. Je suis de retour, excusez-moi, les aléas de la RDC et de vivre en Afrique. Le courant était parti. Alors, on va se lancer rapidement, je pense. On a une équipe de back office qui est là et qui anime les participants et donc répond aux questions et vous oriente. Et on a bien sûr également en back office notre technicien qui partage l'écran. Donc je vais lui demander de partager son écran et de commencer par présenter Nkelo Bantu. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'est Nkelo Bantu ? Nkelo Bantu est une plateforme qui contribue au développement de la RDC par l'amélioration des ressources humaines au niveau de l'entreprise. Nous rassemblons les employés et les employeurs pour avoir un dialogue social et mettre sur table les défis et les opportunités afin de renforcer les capacités nécessaires aux deux parties pour assurer une durabilité de l'entreprise. Nous avons 6 objectifs qui sont... voilà, excusez-moi, j'étais en train d'attendre. Donc, nous avons 6 objectifs qui sont 1. Favoriser un partenariat plus solide et direct entre employés et employeurs. Deuxième, établir une analyse de besoins d'entreprise afin de ressortir les lacunes. Trois, on veut promouvoir la réinsertion de la diaspora pour un partage des meilleures pratiques et connaissances contribuant à l'amélioration des compétences au milieu du travail. Quatre, travailler vers une représentativité de 30% des femmes dans les rôles décisionnels d'ici 2030. Cinq, assurer l'établissement, l'amélioration ainsi que la mise en œuvre des politiques d'équité en respectant la diversité dans les sociétés. 6. Créer la possibilité de développer les compétences ciblées nécessaires pour que l'entreprise atteigne, pour atteindre pleinement le potentiel individuel afin que l'entreprise puisse être plus productive. Et pour ça, on a mis en place un modèle que je vais laisser Nyanda partager. Présenter. Merci Joe pour la parole. Voilà donc Nkelo Bantu a un écosystème qui a été créé pour accompagner nos partenaires à travers ce parcours que nous allons faire ensemble et l'accompagnement des entreprises et des autres partenaires en dehors du secteur privé, bien sûr public et dans le secteur des organisations internationales. Donc, dans l'écosystème, vous allez retrouver qu'il y a une série d'ateliers qu'on a été contraints à transformer en webinaire aujourd'hui parce qu'on s'adapte au contexte de la COVID. Mais ces ateliers, au fait, ce sont des ateliers qui représentent des analyses de besoins pour pouvoir identifier les gaps qui existent dans l'entreprise et qui empêchent l'entreprise de pouvoir atteindre son niveau optimal de performance. Donc, voilà, c'est la première partie de l'écosystème. Ensuite, nous avons un forum annuel qui va se tenir cette année en septembre, du 25 et au 27 septembre. Ce forum, il va représenter un événement qui va rassembler les chercheurs d'emploi ainsi que les employeurs. Et il y aura une série d'activités ainsi qu'une exhibition et beaucoup d'autres de choses qui vont faire que nous aurons un dialogue continu autour de ces deux journées et qui va rassembler dans beaucoup d'acteurs de plusieurs secteurs. Donc, c'est un forum multisectoriel et aussi les membres de la diaspora. Ensuite, nous avons la troisième partie de l'écosystème qui est l'académie. L'académie, au fait, constitue l'entité qui va accompagner nos partenaires dans le renforcement des capacités, dans le développement des compétences. Donc, Nkelo Bantu se voit une plateforme qui va accompagner ses partenaires pour couvrir en fait tout ce qui est lié au développement des performances du capital humain
Et voilà la raison pour laquelle nous avons développé donc, cet écosystème. Je tenais quand même, Joe, si tu me permets, à signaler à notre audience qu'il y a une section de Q&A qui est là juste pour les questions. Donc, pour toutes les questions que vous voulez poser, vous pouvez les poser dans la section Q&A, juste à côté du chat, pas dans le chat. Dans le chat, il y aura, comme l'a dit Joe, notre back office qui va relever peut-être certains points ou bien qui va communiquer avec nous. Mais prière d'envoyer toutes vos questions dans les Q&A. Si nous ne pouvons pas les prendre directement en live pour les poser directement aux panélistes, eh ben les panélistes pourront essayer d'y répondre aussi dans le Q&A ou sinon nous tenterons d'y répondre après le webinaire. Donc, c'est plus ou moins ce que je voulais ajouter dans la tenue de notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux présentations de nos panélistes. Oui, on va passer à la présentation et je vais commencer par présenter notre invitée spéciale qui va faire le keynote. Elle s'appelle Edith Maziofa. Hello, Edith. Hello again. Good afternoon, Meander. I hope you're well. Fine, thank you. I know it's getting chilly back in Zimbabwe. Yes, it's winter here. It's winter. Missing the summer months, yes. Soon to come, but we're glad you could join us. So I'm going to be introducing you in French. Okay. And then we'll carry on in both languages. Donc, fantastic. Voilà. Edith Maziofa qui est avec nous est donc la fondatrice et Managality Wellness. Elle est consultante au management. Elle est détentrice d'un diplôme en Public Health Management de l'Université de Leeds en Angleterre. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des portefeuilles du développement des secteurs publics et privés dans la lutte contre le VIH surtout. Son cheval de bataille se situe dans le domaine de la diversité où elle œuvre pour le développement de la condition des femmes grâce à un travail décent et aussi le leadership féminin au sein de la société. Donc voilà, c'est notre invitée spéciale. Edith est située actuellement au Zimbabwe, c'est là où elle réside. Donc je vais l'inviter à faire son keynote. Edith, you're welcome to give us your keynote. I know you have a lot of experience when it comes to workplace program and wellness. But I have a specific question related to our team today that we hope you can actually answer. And the question is on medical care. We know that with the context of COVID, a lot of enterprises have been asking themselves, should they review the policies or the process? And they don't quite know how to do it. So do you think that we should revisit the medical care of the staff when we're taking into account the challenges, the new challenges that has erased because of the COVID pandemic? Okay, thank you, Mayanda. I think I just would like to start off by acknowledging that the COVID-19 has impacted all aspects of daily life, including our travel, leisure, tourism, financial markets, and business operations. And we know today that the global business community has been affected, and every sector has had to downscale or halt operations, completely meaning that the world of work is just no longer the same. I think that's where we need to start off from, looking at any policy in the workplace is an acknowledgement that it's no longer business as usual and that the world is no longer the same. Now you're talking about new normality. Yes, this new normal. And to answer you specific regards the medical care, I think firstly, I want to separate general workplaces from those who are working in the health sector.
the challenges for staff working in healthcare has increased also due to the workload created by the pandemic itself, but also fears that the staff may also contract COVID and therefore have potential to spread to their families, also working with the new and frequently changing protocols and personal protective equipment, patients who are very sick and also quickly deteriorating and caring for colleagues who have fallen ill. And when we look specific to the world of work, as you and I know it in general, is that for the rest of the world of work, things are hard right now. That's what we need to acknowledge. But there are some things that are beginning to bring some joy in some measure, including you can see companies are starting to have online attention. There's also some are focusing on including even Zoom and dance parties, online COVID awareness sessions, radio programs to promote prevention programs that are being supported by the companies, as well as telehealth programs that are delivering chronic medications also to the employees at home. And I think this is important in the context of us, especially here in Southern Africa, where even before COVID, we had a high burden of HIV, and that must not be overlooked. So you'll find that even in the workplaces, there are many employees who are already on chronic medications. And if companies can provide for that care telephonically, or also provide for the delivery of medications to staff who are working from home, that those are some of the things that can be applauded. Now, when you talk about those shifts that's being made in terms of the enterprise or the corporate level, these are a lot of the shift that you talked about in terms of social behavior that has actually happened naturally. When you say that we're on Zoom, we're having hosting parties, we're having all of this, our community have been kind of deported from the face-to-face to the digital world. And now we're moving back. Now we're slowly getting back into the face-to-face interaction. What are the recommendations or the orientation that we can give to employees in terms of this new arrangement, this new normal in the corporate level? Okay, firstly, I'll go back to addressing the medical care. You find that, for example, companies in a lot of countries have adjusted the medical care provision as the traditional medical aid providers have not been covering COVID, and companies have had find themselves required to pay upfront for support for their employees, largely because COVID treatment is generally treated in most countries as a public health problem. So progressive companies have had to come up with medical care packages outside the traditional and opened, in some cases, company-wide clinics and addressing primary health care directly for their employees, which from an actuarial modeling perspective seems to be to prove more cost effective in the long run, despite the initial outlays in setting these clinics up. So you find that is the general direction that the world of business has had to attend to. Then in terms of general adaptations, what has been happening is that there is so much to consider for the companies when deciding when and how to invite the employees to return to their offices following the COVID-19. Of course, the timing and specific reintegration plans will be based upon the geography and the unique needs of individual companies. A lot of companies have found themselves in a space where they have to consider a wide range of emotions that the employees will be feeling regarding the experience of going back to the workplace, the psychosocial support that will also be required. Also considerations for the economic and psychosocial impacts on employees, as company layoffs or downscaling operations may result in a lot of stress and anxiety on the employees.
And then there are also issues to attend to, general stress and burnout, as well as gender considerations may also be required as we consider this new normal. Mm-hmm. So there are some aspects specific that can be addressed different, that has to be addressed differently in the workplace. As you talked about the social economical aspect, and you talk about aspect of gender. So it's very important that the employers is aware and sensitive to the fact that you cannot address this pandemic response in the same way across board, and there's some specificity. But this is actually very interesting. We're not going to end there. We're not going to let you go. You have more to give in, but we have to give the chance to have our other panelists that probably have more to say on what you just said. Alors, thanks to you, Edith. Joe, I'll let you introduce our next panelist. Oui, merci, Bianda, pour la parole. Donc, notre prochain panéliste est Al Kitenge. Il est stratège et géoéconomiste, expert en gouvernance et politique publique. Formé à l'École polytechnique de Lubumbashi, Al Kitenge a mené une première carrière d'ingénieur chimiste au sein de la multinationale Unilever en Afrique et en Europe. Et disposant de grandes compétences en économie et en organisation, il s'est orienté ensuite vers le consulting. Al Kitenge est un évangéliste de l'investissement solidaire. On va lui demander un peu plus ce que ça veut dire. Et il consacre ses compétences au développement du secteur de l'économie solidaire, persuadé que les conditions de vie des populations ne sont pas assez prises en compte dans les projets de développement prônés par les États et les institutions internationales. Al Kitenge, bonjour et merci d'être parmi nous. Al? Al Kitenge, est-ce que tu m'entends? Oui. Parfait. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est parfait. Parfait. On a eu peur, on pensait que tu n'étais plus parmi nous. Donc je vais directement te poser une question concernant juste, connaissant tes compétences et concernant ton travail et ta bataille par rapport à l'État et l'individu et donc l'être humain, quelles sont les mesures prises en charge, quelles sont les mesures mises en place par les entreprises pour la prise des activités compte tenu du fait que la pandémie reste encore un facteur en RDC? Donc, je voudrais même dire quelles sont ces mesures prises en charge par les entreprises, mais aussi par l'État. Et aussi, si tu peux continuer en me parlant un tout petit peu du bilan socio-économique de la crise sanitaire en RDC. J'espère que tu as... Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Malheureusement, on ne t'entend pas bien. Et les gens qui me suivent, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas bien? Attends, là, on t'entend mieux. On t'entendait mieux juste là. Vous m'entendez mieux maintenant? Ça va mieux. C'est mieux. Ça va mieux, oui. On n'a pas capté la première partie de ce que tu disais. Si tu peux reprendre. D'accord. Je disais merci. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous dans ce webinaire et je salue les autres co-débatteurs et j'ai salué COVID aujourd'hui. On a tendance à dire qu'on est beyond COVID, on est au-delà du COVID, on doit vivre avec le COVID. Et c'est vrai, lorsque vous regardez la situation dans son état actuel, nous sommes tous presque forcés de reprendre les activités économiques, bien malgré le danger qui va devoir rester avec nous. Et en fait, la réalité, c'est que nous devons co-construire
l'environnement de nouvelles générations que beaucoup d'entreprises c'est de penser qu'elle peut prendre des dispositions pour accueillir les travailleurs. Je dis simplement que la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en place des conditions. Il faut que les conditions nouvelles d'accueil des travailleurs soient mises en place à la fois par l'employeur, mais surtout sache exactement dans quel endroit il y ne résout pas le problème. Le risque est réel. Mais il faut en parler. Mais également, il faut mettre les dispositifs à des symptômes qui envisagent que la maladie soit disponible chez lui, qu'il ait la capacité, sans être stigmatisé, d'engager. Là, ça ne le fait pas parce que vraiment, c'est à peine. C'est à peine si on entend. Alors, on a du mal à te suivre. C'est pour bâtir un espace. Allez dans son élan. Est-ce qu'on m'entendait mieux? On a malheureusement. On t'entend entrecoupé. Je ne sais pas si tu. Bon, c'est pas un téléphone, donc on peut pas passer à quelqu'un d'autre. Je vais essayer de revenir. Oui, et puis on va essayer de revenir. Donc on va revenir, oui. on va revenir sur ça, mais on va donc rebondir vers Diane. Et Al, je voulais juste avant de donner la parole à Mianda pour qu'elle puisse introduire Diane, on va rebondir sur ce que Al a dit, sur une des choses qu'on a réussi à capter, c'est les entreprises doivent se préparer pour accueillir et leurs employés. Alors, comment est-ce qu'on le fait réellement? Voilà. Mianda, s'il te plaît, je te laisse la parole. OK. Bon, merci encore une fois. Diane, bienvenue parmi nous. Mianda. Nous sommes heureux de t'avoir à la plateforme de Kilobantu, directement du Cameroun. Voilà, et je vais, si tu me permets, je vais t'introduire à notre audience. Donc, c'est Madame Diane Baquier. Diane Baquier est la présidente de la Cameroon Women Business Leadership Association. Elle est aussi présidente de l'Association des professionnels en ressources humaines du Cameroun. Donc, détentrice d'un master en organisation et gestion des ressources humaines de l'Université de Paris 12. Elle est également détentrice d'un diplôme de troisième cycle sciences des organisations en management des entreprises dans les pays de développement, et cela de l'Université de Paris, Paris 9, Dauphine, c'est ça? C'est bien ça, oui. Paris 9, Paris 12, bon, voilà. Diane a occupé différentes fonctions des ressources humaines au sein des entreprises, de plusieurs entreprises multinationales. Et depuis 2015, en parallèle de son parcours professionnel, elle est aussi consultante formatrice en organisation et ressources humaines en collaboration avec donc plusieurs cabinets de consultance, non seulement au Cameroun, mais en Afrique centrale. Voilà. Ça, c'est Diane. Donc, Diane, bienvenue encore une fois. Comme tu l'as dit, on aimerait bien que tu puisses rebondir sur la question qui a été posée à Al, mais je vais essayer de reformuler un peu, tu vas élaborer sur ça aussi. D'accord. En posant la question, en demandant que pensez-vous de la mise en place de la séance de soutien psychologique pour accompagner les travailleurs? Il est aujourd'hui question non seulement d'un appui matériel, on parle beaucoup de dispositions matérielles en termes de masques, de lave-main, d'utilisation de gel hydraulique, mais il y a aussi l'accompagnement psychologique et la santé mentale qu'il faut prendre en compte dans cette reprise des activités. Et dans cette approche-là, nous savons que les agents, les employés, le personnel, ainsi que l'employeur lui-même, a été sujet de beaucoup de stress
Il y a aussi la perte, la peur de la perte de son emploi, donc la peur du chômage. Il y a aussi il y a des chantages qui pourraient tenir lieu dans le lieu de travail vis-à-vis de la possibilité d'un licenciement. Il y a aussi des discriminations, il y a des stigmatisations dont Edith a fait mention tout à l'heure. Comment s'assurer au fait que cet aspect-là psychologique, cet accompagnement psychologique est appliqué dans cette reprise? Ok. Merci Myanda de me passer la parole. Bonjour Joe, Sabrina, bonjour à toute l'assistance qui nous suit. Alors, pour continuer sur l'intervention de Al, qui était très brillante intervention, j'espère qu'il reviendra tout à l'heure, je voudrais revenir sur la leçon du COVID. Qu'est-ce que le COVID nous a appris, qu'on soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe? C'est qu'au-delà du capitalisme, au-delà de tout capital, au-delà de l'économie, nous devons préserver la vie. Et donc, si on a pu arrêter toutes les économies du monde entier pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois pour certains pays, pour préserver la santé des travailleurs et la santé des populations, ça veut dire que les entreprises également sont interpellées aujourd'hui sur les différents programmes qu'elles peuvent mettre en place au moment du déconfinement, mais pour continuer de préserver la vie, justement. Donc, moi, je vois cet aspect, je vois cette problématique d'abord au niveau gouvernemental, parce que la santé des populations est d'abord avant tout une question de santé publique. Donc, quels sont les dispositifs, hein, comment est-ce que la population a pu percevoir, la maîtrise par le gouvernement des dispositifs de riposte qui ont été mis en place? C'est par rapport à ça que la population, dont les travailleurs que nous sommes, pouvons nous sentir, on va dire, soit en sécurité ou en insécurité de pouvoir repartir au travail. Côté entreprise, qu'est-ce qui a été mis en place comme mesure d'accompagnement dans le cadre de mes activités avec les femmes entrepreneurs? Je suis dans un groupe de travail avec l'Union européenne et justement, ce qui a été demandé dans ce cadre-là, c'est que au-delà de faire des programmes de sensibilisation, qu'il y ait aussi réellement un accompagnement financier, notamment en direction des PME, parce que les dispositifs de retour sont multiples. Il faut acheter les masques, il faut acheter en permanence du gel hydroélectrique, il faut faire de la rotation du personnel. Ça veut dire que si vous aviez 100 employés, les 100 ne pourront plus travailler au même moment. Il y en a 50 qui vont travailler peut-être 2 ou 3 jours par semaine. Les 50 autres vont venir des 2 autres jours ou alors une semaine sur 2. Mais en même temps, ce n'est pas de la faute des salariés s'ils ne peuvent pas être en permanence au travail. Derrière ça, il faut investir dans les équipements informatiques. Il faut installer Zoom, il faut installer Microsoft Teams pour pouvoir garder un peu de la continuité de service, c'est ce qui a été fait depuis le début du confinement. Tout ça, ça a des coûts. Est-ce que les PME notamment qui sont à presque 80% qui constituent le tissu économique en Afrique, est-ce que les PME étaient préparées à cela? Pas forcément. Et aujourd'hui, les PME qui ont déjà perdu pas mal de marchés, qui ont perdu pas mal de chiffres d'affaires, doivent quand même survivre. Moi, au Cameroun, ce que je vois, c'est que la vie, elle a repris son cours. Les entreprises sont obligées de travailler. Et même au bout de 2-3 mois, on peut avoir du burn-out juste parce qu'on reste à la maison trop longtemps. Donc, alors, Diane, je ne veux pas te couper, mais tu viens de dire quelque chose, tu viens de dire un mot qui est hyper important, des burn-outs. Et je pense que c'est un nouveau contexte de toutes les manières. En Afrique, on ne connaît pas vraiment bien ce côté burn-out. Mais on a senti au sein de certains employés qu'il y avait effectivement des traces de burn-out. Alors, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire d'un point de vue mental? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire comme accompagnement aujourd'hui? Parce qu'il y a ce côté, il y a cet effet télétravail, comme tu l'as dit, et l'effet de ne... que ce n'est pas ma faute, moi, en tant qu'employé, de ne pas venir au travail. Moi, j'ai envie de travailler.
Et donc, ça crée des frustrations au sein des employés qui aussi donc leur donnent qui peuvent donner des problèmes de motivation et ainsi de suite. Donc, que penses-tu que nous pouvons faire que pouvons-nous faire par rapport à ça? Mais dans le cadre des programmes de retour au bureau, enfin, ce qui a été mis en place dans les entreprises que je connais, c'est vrai qu'au-delà donc de tout le dispositif matériel sanitaire, il y a effectivement la prise en charge psychologique du personnel. Parce que même étant à la maison, c'est clair que c'était important de garder le lien avec la DRH, avec les responsables, les managers, pour être sûr qu'au moment de la reprise, on reste toujours dans l'équipe. Comme Myanda l'a dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de chômage technique, mais des chômages techniques qui, à coup sûr, vont déboucher aussi sur du licenciement économique. Ne nous voilons pas la face. Si une entreprise a perdu 40 à 50% de son chiffre d'affaires, à un moment donné, elle ne pourra plus assumer ses charges. Donc, en marge de ces dispositifs, je dirais matériels, il y a la prise en charge psychologique. Mais on parle beaucoup de la prise en charge psychologique des salariés. Quid de la prise en charge psychologique des chefs d'entreprise? Je pense que ça devrait commencer aussi par là. De dire, toi, Joe, je suis sûre que tu as perdu énormément de contrats pendant ces 3 ou 4 derniers mois. Tu n'as peut-être pas encore licencié. Je suis sûre qu'il y a des restructurations de crédits que tu dois faire à la banque. Je suis sûre qu'il y a énormément de projets qui sont mis en stand-by. Est-ce qu'on pense à toi? Moi, je crois que la prise en charge psychologique, elle doit commencer par le chef d'entreprise. Moi, on ne pense pas à moi. Voilà. Et à ce moment, le chef d'entreprise peut aussi voir la nécessité de cette prise en charge psychologique pour ses collaborateurs. Et la valeur ajoutée de cette prise en charge. C'est ça, la valeur ajoutée. Et comme on est dans des environnements où on n'a pas l'habitude d'aller voir des psys, bah, peut-être qu'aujourd'hui, quel est le rôle? On peut aussi interroger l'aspect santé au travail. Quel est le rôle des médecins de travail aussi? Comment est-ce qu'ils ont été actifs? Au Cameroun, il y a une association de médecins du travail. Ils ont fait beaucoup de webinaires. Mais est-ce qu'ils se sont vraiment rapprochés des chefs d'entreprise? Est-ce qu'au niveau de tout ce qui est santé au travail, on met aujourd'hui un focus sur l'aspect psychologique au point où on peut arriver à trouver de la nécessité d'engager des psychologues de travail? Moi, je pense que ce serait bien parce que tout le monde qui traverse une période d'incertitude a forcément à un moment donné une baisse de forme, de l'anxiété, parce qu'on ne sait vraiment pas comment demain sera fait. Il y a des entreprises, je discutais avec un DG la semaine dernière, à 2 jours, 3 jours de la fin du mois, il n'a pas réglé la question de « est-ce que mes salariés seront payés ?» Et je pense qu'il n'est pas le seul. Donc, effectivement, la prise en charge psychologique est importante, mais nous ne regardons pas seulement les salariés. Elle doit commencer par la tête, et la tête verra la nécessité d'introduire de manière régulière cette prise en charge psychologique auprès des collaborateurs, surtout les collaborateurs qui ont montré de l'engagement pendant cette période. Le télétravail. Voilà, c'est ça, parce que même travaillant à la maison, je suis sûre que pour beaucoup, c'était aussi un peu les vacances. Hein. On peut avoir plusieurs alibis, il n'y a pas de connexion internet, le téléphone ne passe pas, etc. Mais on voit aussi à ce moment-là les collaborateurs qui, même à la maison, pouvaient prendre de leur temps de famille parce qu'on n'a pas pu envoyer un fichier à 16 heures parce qu'il n'y avait pas d'internet, mais l'envoyer à 20h, 20h30 ou 23h et même travailler le samedi et le dimanche pour rattraper le travail. Donc, pour ces employés-là qui ont montré de l'engagement, c'est important au moment de reprendre, de les accompagner psychologiquement. Merci, voilà. Diane. Diane est en train de parler de moi, là. Merci. Qui est montré de l'engagement. on va repartir vers Al. On va repartir vers Al et demander juste à Al de pouvoir donc revenir sur son analyse par rapport à la RDC,
mais aussi nous donner son point de vue sur ce que Anne vient de dire dans un contexte juste RDC. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut retenir des choses extrêmement importantes. C'est que cette affaire de coronavirus était inattendue et a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, quand on commence à rentrer au travail, il faut s'apercevoir de toute façon qu'il y a une certaine peur qui s'installe. Et c'est pour ça que ma collègue de tout à l'heure insistait sur les peurs qui peuvent exister au niveau du retour et l'intervention du psychologue. Vous savez, en termes de maladie, ça n'épargne personne. Ça peut aller du chef d'entreprise au balayeur. Et d'ailleurs, la personne la plus importante dans ce genre de situation devient le responsable de l'hygiène. Et du coup, en termes d'importance, son rôle devient beaucoup plus important que ce qu'il avait avant le Covid, parce que la question d'hygiène en milieu du travail devient importante. La deuxième des choses, c'est la communication. Il est important que le nouveau code de conduite et le nouveau code d'occupation des espaces soient partagés, mais surtout construits en même temps que les travailleurs. L'espace qui doit les accueillir ne doit pas être un espace qui a été conçu par le seul employeur ou par les seuls dirigeants, ça veut dire les cadres. Il faut que la nouvelle façon de travailler ensemble soit co-définie avec toutes les parties prenantes. Ce qui veut dire qu'en fait, le dialogue est extrêmement important pour éviter des frustrations complètement inutiles qui peuvent arriver à créer des suspicions. Il faut créer un environnement de travail sain, qui soit sûr pour tout le monde. Et pour ça, il faut quand même se dire que la stratégie doit être simple, parce que lorsque vous regardez des pays comme la République démocratique du Congo, où l'économie informelle représente 90% de notre économie, et où il n'y a pas de lien de filiation entre l'État et les citoyens, ce qui fait que malheureusement, l'État n'a pas les filets sociaux pour être en mesure d'intervenir. Et si les PME sont si marginales vis-à-vis du portefeuille de l'État, vous vous rendez bien compte que au niveau de la reprise du travail, ni sur les informels, ni sur les PME organisées, l'État n'a des vrais outils. Par exemple, en République démocratique du Congo, l'État a mis en place un petit fonds de 50 millions de dollars. Et qu'est-ce que c'est 50 millions de dollars pour un pays comme la République démocratique du Congo? La vérité, c'est qu'on aura beaucoup de petites sociétés qui vont tomber en faillite sans aucune pitié. Elles vont disparaître. Il va falloir compter sur les nouveaux couloirs, les nouvelles possibilités, pour recréer de nouvelles sociétés. Il y a quelque chose que je fais d'habitude. Je fais ce qu'on appelle de la planification stratégique du capital humain. Et à quoi ça tient? En fait, ça tient au fait que la plupart des gens, ils planifient leur croissance financière et commerciale sans planifier la croissance du capital humain en nombre et en compétences. Ce moment particulier est un moment de disruption, c'est un moment de grands changements. Et beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas que peut-être qu'une partie du personnel qu'ils avaient ne correspond même plus du tout aux nouveaux besoins. Donc, il est important de regarder ce grand changement et être en mesure de refaire un audit complet du capital humain. Ça peut vouloir dire changer du personnel, ça peut vouloir dire former du personnel. Et ne pas le faire, vous allez vous rendre compte que les circonstances ont changé. Les défis ont changé, vous allez continuer à croire que vous vivez dans les mêmes conditions qu'avant et vous allez vous retrouver simplement incapable de donner des résultats parce que l'environnement a effectivement changé, les choses ont effectivement changé de manière assez sérieuse. Maintenant, en ce qui concerne le bilan socio-économique en République démocratique du Congo, mais c'est la vraie catastrophe. Et aujourd'hui, le seul facteur qui ne permet pas de mesurer ça par les indicateurs macroéconomiques et classiques, c'est le simple fait que 90% de l'activité économique vit dans l'informel. Ça veut dire que c'est des gens qui ne correspondent pas à des indicateurs économiques. C'est aussi parce qu'une grande partie de notre économie était liée à l'importation. Nous sommes une économie très extravertie. C'est maintenant que nous commençons à nous rendre compte que même la nourriture qu'on importait, on ne peut plus l'importer de manière classique. Je veux simplement dire que la bonne chance que nous avons aujourd'hui, c'est que cette maladie a plus frappé, j'ai envie de dire, Kinshasa et les grandes villes et n'a pas touché en grande partie des gens, j'ai envie de dire, socialement pauvres. Parce que si c'était l'inverse, je crois que la catastrophe aurait été très, très grande. Mais moi, la seule leçon que je tire là-dessus, c'est que
l'espace sanitaire, les soins de santé et la santé publique est un espace de partage plus que jamais. Même les gens qui ont la capacité de financer leur santé à l'extérieur du pays, heureusement pour nous, ils n'ont pas su partir. Alors, Al, merci beaucoup. J'ai une petite question avant de présenter le prochain panéliste. Tu l'as dit, tu as soulevé le fait que 90% de notre économie est dans l'informel. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là? Comment est-ce qu'on peut les assister ne sachant pas qui c'est? Oui, je te laisse. Tu as compris la question, donc je te laisse. J'adore la manière dont tu finis la question. Parce qu'on ne les connaît même pas. Donc, ils ne sont même pas en contrat avec l'État. D'où toute la question de dire, est-ce que nous pouvons continuer à avoir 90% de notre économie dans l'informel? La réponse est non. L'une des stratégies fondamentales que l'État congolais doit pouvoir mettre en place, c'est un desk spécial de formalisation de son économie afin de structurer une relation normale et responsable entre l'État et les citoyens et les opérateurs économiques et avoir la capacité de développer les filets sociaux capables de nous donner des réponses en cas de catastrophe. Et COVID-19 a été une véritable catastrophe. Dernière question pour Al, s'il te plaît. Maintenant que nous sommes en train de parler d'une grande souche de la population, des acteurs économiques qui sont dans l'incognito, et nous sommes en train de parler d'une riposte à une pandémie qui continue à faire ravage, comment est-ce qu'on peut estimer qu'une riposte efficace est même possible? Et maintenant, cela aussi entraîne aussi une augmentation de risque par rapport au secteur formel, parce que nous sommes en cohabitation, comme tu viens de le dire. Comment envisager les prochains jours de reprise de travail avec ce contexte-là, où il y a une partie, une grande souche de la population qui n'a pas été, qui n'a probablement pas eu accès au service de riposte, mais qui va se retrouver dans le même milieu de travail? Votre question est d'une pertinence remarquable. La vérité, c'est que, et je le disais tout à l'heure dans mon intervention, la santé publique est un espace de partage. Exact. À l'époque, on avait l'impression qu'il y avait des solutions sanitaires pour les riches et des solutions sanitaires pour les pauvres. Et COVID-19 nous démontre clairement qu'on ne peut être en bonne santé qu'ensemble. Entre-temps, nous sommes les pieds dans la boue. Il faut trouver des solutions. Et c'est là-bas que les seules solutions que l'on trouve aujourd'hui, c'est l'aide des pays développés qui interviennent parce qu'ils se rendent compte que si cette situation ne se stabilise pas dans les pays pauvres, ça va remonter dans leur pays. Et par solidarité apparente, ils interviennent et je pense que la bonté là-dedans désigne que nous soyons à même de pouvoir intervenir de manière spécifique auprès des plus pauvres d'entre nous. Mais entre-temps, commencer à faire une restructuration complète de notre société, on ne peut pas continuer à vivre comme on vit. Il faut être en mesure de nous donner des mécanismes de professionnalisation de la manière dont les services publics sont distribués pour être en mesure d'avoir une situation qui nous donne une capacité de prévention de la catastrophe. Merci. Merci beaucoup, Al. On va passer à notre prochain panéliste qui, lui, est David Pata Kiantouadi, directeur du pôle conseil et formation de Sodeico RH Solutions. Merci, Al. Reste avec nous. Il y a des questions pour toi. Et surtout, garde ton Internet. Il est parfait. Donc, David, lui, il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC en RDC. Il est licencié en psychologie du travail et docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Corse en France. De plus, David est aussi expert dans les domaines de recrutement, de formation et de développement de compétences, ainsi qu'en diagnostic institutionnel et organisationnel. Il a collaboré dans plusieurs projets financés par des bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, le BAD, l'Union européenne, ainsi que des projets de réforme dans l'administration publique. Et alors, David, bonjour. J'espère que tu nous entends bien. Bonjour, je vous entends. Vous m'entendez également? Oui, très bien, merci. Très bien, David. Alors, on va te poser une question juste sur... Et Al l'a bien soulevé. Il a parlé de réorientation.
Et notre question est juste sur ça. Sur base de cet impact, une réorientation professionnelle s'avère-t-elle nécessaire par rapport à la gestion de carrière du personnel dans des entreprises? Comment est-ce qu'on peut prévoir de réorienter les compétences internes afin de capitaliser et retenir le capital humain existant face aux changements dus à la crise? Merci, la question est effectivement très pertinente. Mais avant de répondre, il faut d'abord relever deux évidences majeures que nous avons enregistrées pendant la période de crise, n'est-ce pas, de COVID-19 en milieu professionnel. La première évidence révèle que certaines activités administratives, marketing, professionnelles pouvaient être faites à distance. C'est une évidence. Deuxième évidence, c'est que le travail à distance a montré qu'il y a des postes clés et des postes d'accompagnement ou des postes, disons, secondaires. Également, cette évidence découle une observation de grande importance. C'est celle, n'est-ce pas, des compétences insoupçonnées. On se rend compte, pendant la période, n'est-ce pas, de COVID-19, avec le télétravail, il y a deux personnes dont les apports sont tellement d'une grande nécessité que les entreprises, n'est-ce pas, ont besoin de, n'est-ce pas, de ces gens-là. De deux évidences, n'est-ce pas, amènent, n'est-ce pas, à réfléchir, n'est-ce pas, sur la nécessité, n'est-ce pas, d'une certaine réorganisation. Mais cette réorganisation ne peut pas se faire de manière hasardeuse. Doit être, n'est-ce pas, systématique. Et ici, j'ai rejoint mes amis, n'est-ce pas, de l'école de Chicago, qui prenaient, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la théorisation ancrée. La théorisation ancrée veut dire simplement quoi? Pour piloter des changements, pour introduire des innovations en milieu professionnel, peu importe le milieu, il faut se baser sur ce qui s'est construit, sur ce qui s'est fait sur terrain, c'est-à-dire en milieu professionnel, en ce qui nous concerne. Alors, donc, premièrement, il faut d'abord faire ce que moi, je vais proposer, l'analyse des impacts de la COVID-19 en matière d'emploi et de compétences. Cette analyse devait être faite auprès de différentes entreprises. Ils doivent voir quel a été l'impact sur le plan emploi et sur le plan compétences. Deuxième nécessité, au regard des impacts, il faut faire ce que je préconise, la redéfinition des postes. Je viens tout à l'heure de démontrer qu'il y a, dans la deuxième évidence, il y a des compétences insoupçonnées et il y a également des postes clés et des postes d'accompagnement. Donc, il y a une redéfinition des postes. Il faut revoir les job descriptions, ce qui va également impacter sur la restructuration organique. Parce que la manière dont, n'est-ce pas, les choses ont été démontrées pendant la crise, surtout le télétravail, c'est qu'il y a des gens qui pourraient, il y a certains postes qui ne pourraient pas, n'est-ce pas, exister physiquement à l'entreprise. Les postes pouvaient être, n'est-ce pas, être en virtuel ou être, n'est-ce pas, à distance. Donc, il y a une restructuration formelle qui devait être introduite, mais cette restructuration devait être soutenue, n'est-ce pas, des résultats de l'analyse d'impact. Alors, une autre question de fond, c'est en rapport avec les critères, n'est-ce pas? J'espère que vous avez prévu de me poser cette question. Est-ce que les critères vont être changés? C'est sûrement. Vous avez constaté, n'est-ce pas, que des postes que nous avions cru, n'est-ce pas, être physiques pouvaient être transposés ou transplantés en virtuel. Donc, et que la pression, n'est-ce pas, de la crise, n'est-ce pas, a amené certaines personnes, n'est-ce pas, à disparaître complètement en termes de leurs compétences, ils n'étaient plus en mesure, n'est-ce pas, de prester, et qu'il y avait d'autres personnes qui devraient travailler. Donc, c'est ce qui amène, n'est-ce pas, des impératifs qui conditionnent les compétences. Je cite, hein, sans faire beaucoup de détails, premièrement, il y a la capacité de travailler à distance. Cette capacité doit être mesurée, n'est-ce pas, auprès des différents managers ainsi que effectivement pour des postes. Ça devient une nécessité, capacité de travailler à distance. Mais également, il y a des capacités, la compétence technique
dans l'utilisation, n'est-ce pas, des outils de travail à distance, comme les Zoom, etc. Ça devient une nécessité. Donc, le prochain recrutement devait s'atteler sur cette compétence. Mais également, la maîtrise parfaite des outils, n'est-ce pas, classiques de l'informatique, comme le Word, l'Excel, l'Internet, ça devient obligatoire. En tout cas, un manager ou un agent, surtout des services des entreprises de services, qui ne maîtrise pas ses compétences, doit être écarté. Mais vous avez également la capacité de travailler dans des conditions pandémiques. On vient de démontrer qu'il y avait des gens qui disparaissaient, n'est-ce pas, dans la nature, parce qu'ils avaient une faible capacité de résistance dans cette situation. Mais vous avez également la capacité d'anticipation, n'est-ce pas, des changements, surtout auprès des managers. Vous avez vu, n'est-ce pas, la COVID est venue, ne s'est pas annoncée du tout, mais quand elle est venue, nous étions obligés de pouvoir nous adapter. Et donc, ça devient une condition nécessaire, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de différents changements qu'on devrait connaître en matière d'emploi et de compétences. Alors, Pata, je ne te coupe pas, je voulais te poser une dernière question. Vu que tu as répondu à la question de Critère, qui était la question de Mianda, elle voulait te poser celle-là. Où est la place de la formation? Parce que tu as dit, tu as bien dit que les personnes, donc les compétences Internet et informatiques deviennent une obligation. Alors, où est la place de la formation dans une entreprise? Est-ce que on fait partir toutes les personnes qui ne savent pas utiliser l'Internet, ou est-ce qu'on les forme et on essaye de les réorienter dans des postes, dans des nouveaux postes que la société crée après avoir fait cette analyse de besoins, comme tu l'as si bien dit? Merci. OK. D'abord, le problème de la réorientation va se faire après. C'est ce qu'on couramment on appelle la réaffectation. C'est-à-dire qu'une fois on fait l'analyse d'impact, on refait, n'est-ce pas, les postes. Et maintenant, on fait le bilan des compétences et puis après, on va faire la réaffectation. Ça va se faire après. Mais avant cette réaffectation, il faut effectivement niveler les niveaux, n'est-ce pas, des compétences des agents. Alors, donc, les compétences que nous venons de citer, comme notamment, n'est-ce pas, la maîtrise des outils, n'est-ce pas, des bases classiques, deviennent nécessité, presque obligatoire. Alors, il faut soumettre des formations. Des formations entreprises, en interne, mais également il y a une formation in situ. Donc la personne doit, n'est-ce pas, travailler pour améliorer ses compétences et la personne doit également, n'est-ce pas, investir pour comprendre, pour maîtriser effectivement ses compétences. Donc, dans mon point de vue, la personne qui ne maîtrise pas ses outils, au bout, n'est-ce pas, de la formation, parce qu'il faut faire l'évaluation. Si la personne, au bout de la formation et de l'induction, n'est pas toujours en mesure d'utiliser, je crois que ce genre de personnes doivent être remerciées parce qu'ils ne répondent plus au changement du moment. Il faut noter que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde... On a perdu Pata? Entendre, qui a aussi une très grande expérience, c'est Monsieur Mehdi Boularès. Hello, vous êtes encore avec nous, Monsieur Boularès? Je suis toujours là. Très bien, heureux de vous avoir parmi nous. Je vais vous présenter, donc Monsieur Boularès est basé actuellement en Algérie. Il a dans son actif plus de 11 ans d'expérience dans l'industrie de conseil avec des connaissances très approfondies dans l'organisation locale d'Afrique francophone et les défis par rapport aux ressources humaines. Il est diplômé en finance de l'École supérieure de commerce d'Alger et il collabore avec Korn Ferry, qui est un cabinet international de conseil en gestion des talents et des organisations depuis 2015. Donc, il dirige ses activités de développement commercial actuellement en Afrique francophone. Donc, Monsieur Boularès, je vais partir directement sur la question qu'on aimerait bien... à laquelle on aurait à avoir des réponses venant de vous.
de par votre expertise et de par tout ce qui a été dit par vos, vos copanélistes, on parle de reprise effective en présentiel dans le monde du travail. Beaucoup ont évoqué différents aspects qu'il fallait tenir en compte, la santé mentale, l'appui psychologique, il y a les facteurs socio-économiques qui entrent en jeu, l'aspect genre et autres. Mais non, à votre niveau, que sous-entend cette reprise d'un rythme normal, puisqu'on est encore en train de redéfinir la nouvelle normalité et que ça peut varier d'une perspective à une autre, mais tenant compte de la période de télétravail, nous rentrons sur notre lieu de travail, que sous-entend cette reprise d'un nouveau rythme normal? Très bien, merci. Merci, Mianda, pour l'introduction. Bonjour à tous. Merci à l'équipe Nkelo Bantu pour cette agréable invitation. Merci aux copanélistes également pour les brillantes interventions. Alors, je vais commencer par une réponse courte et puis j'approfondirai. La réponse courte, c'est qu'après le télétravail, il y aura toujours du télétravail. Ça, c'est la réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est que… alors, peut-être pour poser un petit peu le contexte, pour commencer, je commencerai par une petite anecdote. Alors, on avait chez Korn Ferry lancé une étude en 2019 auprès d'un grand nombre d'entreprises, de groupes internationaux au niveau mondial pour définir justement le « new normal ». Dans le cadre des mutations des économies, dans le cadre de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, dans le cadre de toutes les tendances mondiales comme l'industrie 4.0, la concurrence qui devient de plus en plus innovante, de plus en plus agile, les attentes des collaborateurs, des travailleurs qui sont en pleine évolution. Un travailleur qui a aujourd'hui 20 ans n'a pas les mêmes attentes qu'un travailleur qui en a 40 ou 50. Du coup, on se posait déjà la question du « new normal » avant le Covid. Donc, je vous laisse imaginer quelques mois plus tard avec une pandémie mondiale, avec 5 mois de crise accrue en termes sanitaires et économiques, le fait que le concept de new normal devient vraiment un sujet à traiter en priorité au niveau des organisations. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, je vais vous répondre, vous parliez tout à l'heure de perspective. Nous, on essaie de voir toujours la perspective du terrain, la perspective des organisations africaines. Du coup, on a mené un sondage qui a été fait sur les mois de mars jusqu'à mai auprès des organisations africaines basées un peu partout en Afrique sur justement les impacts du Covid-19 sur leur fonctionnement, leur organisation, leur façon de travailler. Premier constat, c'est que on a 2/3 des organisations qui disent être sévèrement affectées par le Covid sur l'exercice 2020. On s'attend à des baisses de chiffre d'affaires, comme disait tout à l'heure Diane, qui peuvent atteindre 50% des revenus qui ont été budgétés. Et on voyait il y a quelques jours, avec la publication du dernier rapport de la BAD sur les perspectives économiques, que l'Afrique sera en récession économique en 2020, entre moins 1 et moins 3,5%. Du coup, les perspectives économiques sont assez sombres et les réactions en termes d'ajustement des modes de gouvernance sont donc très vite suivies. Donc, si je veux rentrer dans le vif du sujet de la reprise des activités et de la réinsertion des travailleurs dans le monde du travail, on a une majorité écrasante des organisations qu'on a sondées en Afrique qui parlent de la nécessité de revoir notamment les horaires de travail, de prévoir des horaires de travail plus flexibles pour que la transition se fasse en douceur du 100% télétravail vers le 100% bureau. On a également des mesures de distanciation sociale qui sont mises en place par quasiment toutes les organisations. À titre d'exemple, un bureau ou un open space qui contenait 50 personnes avant le Covid va en contenir 20 ou 25 maintenant pendant cette période très critique. On a des distances entre les bureaux, on a le port du masque qui est obligatoire. Donc ça, c'est les aspects un peu, on va dire, HSE. Sur les aspects IT, on a aussi beaucoup d'entreprises qui ont... Mis le doigt sur leurs lacunes en termes d'équipement IT. Beaucoup de sociétés n'avaient pas de PC portable à mettre à disposition des travailleurs lorsqu'ils étaient en télétravail. Beaucoup de sociétés n'avaient pas réfléchi au fait que les télétravailleurs chez eux n'ont pas forcément une connexion Internet stable, n'ont pas forcément une électricité stable. Du coup, ça, c'est des aspects qu'il va falloir prendre en considération dans le new normal. Et puis, sur l'aspect psychologique, je rebondis un petit peu sur ce que disait Diane. Il y a également cet aspect qui est très très important. Il faut maintenant
évaluer le niveau d'engagement des collaborateurs? On va y revenir un peu plus tard. Est-ce que les collaborateurs sont toujours engagés? Est-ce qu'ils sont toujours motivés avec tout ce qui leur est passé dessus comme pression? Déjà, le fait d'avoir peur pour eux, le fait d'avoir peur pour leur famille, pour leurs proches, le fait d'avoir peur pour leur travail. Est-ce que les employés qui reprennent le travail aujourd'hui sont d'attaque pour mener l'entreprise vers la performance? Ça, c'est très important. On doit avoir des équipes qui sont motivées, qui sont engagées et qui sont prêtes justement à relever ce défi de la reprise. Voilà, donc oui, vas-y, je ne vais pas te couper. C'est très intéressant. Oui, je terminais juste sur le télétravail. Juste quelques précisions. Quand je disais qu'après le télétravail, il y aura toujours du télétravail, on a quasiment 3/4 des entreprises africaines qui ont dit qu'elles allaient ancrer la pratique du télétravail même après la reprise. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été relativement bien perçu. C'est encore un peu trop tôt pour évaluer précisément l'impact et le rendement de ces quelques mois de télétravail. Mais en tout cas, beaucoup de sociétés nous répondent que le télétravail était très bénéfique en termes d'optimisation des coûts pour l'organisation et en termes d'économie de temps et aussi d'argent pour les collaborateurs. Donc, pour la plupart des organisations, c'était des expériences assez délicates à mettre en place, mais plutôt bien accueillies, plutôt réussies. Et il faut maintenant réfléchir aux enjeux du télétravail en Afrique, parce que c'est pas sans enjeux. On a des enjeux divers et variés, notamment l'enjeu réglementaire. Dans la plupart des pays d'Afrique, et j'imagine que je sais que c'est la même chose en Afrique centrale, il n'y a pas de cadre juridique qui va encadrer un petit peu le télétravail. Donc beaucoup de DRH, beaucoup de gestionnaires administratifs étaient pleins d'appréhension sur est-ce que je peux autoriser mon travailleur à travailler chez lui? Est-ce que si jamais il a un accident de travail, est-ce que c'est couvert ou pas par sa sécurité sociale? Des questions très, très pratiques qu'il faut maintenant envisager en termes de régulation. Idem en termes juridiques, est-ce que le contrat de travail actuel permet de gérer également un employé qui est en télétravail? D'autres questions qui vont être plutôt liées au monitoring, au suivi de l'activité. Je suis un manager d'équipe. J'ai des équipes qui sont basées aux quatre coins du pays maintenant, qui sont rentrées chez eux. Est-ce que j'ai les moyens de monitorer l'activité, de suivre leurs objectifs, de suivre le fait qu'ils travaillent réellement, etc. Donc, des nouveaux challenges en termes de gestion des ressources humaines. Je ne sais pas si tout le monde est équipé, parce qu'on est en train de se focaliser sur l'accompagnement du développement des ressources humaines, de la réintégration. Mais j'ai beaucoup aimé la perspective de Diane qui a dit « Oui, nous sommes en train de mettre un accent sur la prise en charge, l'accompagnement du personnel. » Mais est-ce que le senior staff aussi reçoit cet accompagnement et cet encadrement? Et comme Mehdi vient de le dire, après le télétravail, il y aura toujours le télétravail. Ça, c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir, des nouvelles dispositions qui devront être prises. Et ça peut aussi être source de démotivation parce qu'il y a cette peur. Et comment, en tant que RH, expert en RH, on s'assure qu'on peut remotiver les équipes dans cette reprise qui peut représenter juste une crainte, une phobie, une peur en général, Mehdi? Absolument. Alors, la question est très pertinente et elle est reflétée dans les réponses qu'on a eues justement des organisations africaines dans notre sondage. On a eu près de 60% des organisations qui ont justement souhaité mettre l'accent sur plus d'écoute des collaborateurs afin de s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils sont toujours motivés pour relever le défi de la reprise et surtout afin d'utiliser leur input, leur feedback pour définir justement le new normal. Parce que ce nouveau normal doit aussi correspondre aux attentes, aux aspirations des collaborateurs. Et du coup, Korn Ferry, et ce qu'on pense par rapport à cela, c'est que l'appréciation et l'écoute des collaborateurs va passer par l'appréciation de leur niveau d'engagement et puis aussi du niveau de mise en condition de réussite que va leur mettre à disposition l'organisation. C'est-à-dire, je peux être motivé, mais si je n'ai pas le bon matériel, si je n'ai pas le bon niveau d'information, je peux être démotivé très vite. Donc, l'organisation doit s'assurer que je sois engagé et que j'ai également les bonnes conditions pour réussir. Et c'est à travers ça qu'on atteint
justement cette motivation des employés. Juste le fait de dire aux employés, dites-nous comment vous sentez, dites-nous ce que vous pensez par rapport au futur de l'organisation, dites-nous comment vous voyez l'avenir de notre entreprise. C'est quelque chose qui est extrêmement motivant, qui va créer un sentiment d'appartenance et qui va être moteur pour la reprise des organisations. Très bien, merci. Donc, voilà, c'est un aspect très, très important à évoquer dans la reprise, la motivation. Je crois qu'il y a des questions qui sont posées de l'audience. Peut-être qu'on pourrait prendre une question de l'audience directement, Joe. Oui, c'est ça. Donc, on va prendre une question de Patty Lumumba. Donc, Patty Lumumba, on va lui donner le micro. Il faut que Patty se unmute, je ne sais pas comment on dit en français, son microphone afin de pouvoir poser sa question. Alors Patty, si vous nous entendez, vous devez ouvrir votre micro et poser votre question. Vous aviez une question pour Diane, je pense. Voilà. Allez-y, Patty. Bonjour. Ok, bonjour, moi c'est Patty Lumumba, je suis en République démocratique du Congo dans la structure Avenir Business qui s'occupe des solutions tech. Ma préoccupation s'adresse à Diane par rapport à l'accompagnement mental, aussi bien du côté des travailleurs que de l'employé, parce qu'il y a la peur de part et d'autre. Les travailleurs ont peur de perdre leur emploi à tout moment. Et du côté employé, c'est le problème des résultats avec les contextes actuels du marché. Alors, j'aimerais savoir concrètement quel est l'outil, moi, en tant que responsable des ressources humaines qui se trouve au milieu de ces gens, je peux appliquer au niveau de l'entreprise pour créer cette confiance et surmonter cette peur. Merci. Merci, Patty. Diane? Diane, il faut, tu es en mute, Diane. Il faut te unmute. Voilà, c'est bon. Donc, merci pour la question, Pat. Ce que je dirais pour cet accompagnement-là, c'est que comme dans toute organisation, que ce soit à la maison, au travail, dans nos associations, le cœur reste quand même la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le DRH ou la personne qui joue le rôle de office manager doit être au centre aujourd'hui de l'accompagnement, de la mise en relation, de maintenir le lien social et professionnel autour de ce dispositif de reprise. Avant la reprise, pendant le COVID, pendant le confinement, il a fallu communiquer pour assurer. Il faut communiquer pour préparer le retour au bureau. Une fois qu'on est au bureau, il faut encore communiquer et surtout, emmener les chefs d'entreprise à partager l'information, à partager aussi leurs peurs et faire la même chose de part et d'autre. C'est-à-dire qu'au-delà, rassurer le manager et les collaborateurs, ce n'est pas seulement la question de faire intervenir un psychologue. Je pense que nous, les RH, nous sommes formés aussi sur cet aspect-là. Donc, la communication, elle en a parlé tout à l'heure, permet déjà de rassurer tout le monde. Maintenant, quand on va dans des aspects un peu plus pathologique, comme des personnes qui présentent de l'anxiété de manière chronique, qui ont vraiment peur, le médecin de travail intervient, il peut avoir des séances d'écoute comme Mehdi l'a dit, mais comme j'ai dit tantôt, c'est important que la médecine du travail aujourd'hui mette un focus sur l'intervention réelle des spécialistes de psychologie du travail. Ça existe. Et c'est peut-être le moment aujourd'hui que nous, RH, nous puissions nous dire que nous ne sommes pas des psychologues. Ce qui est souvent reproché aux RH, c'est qu'on pense qu'on sait tout faire. Ce n'est pas parce qu'on est l'interface entre l'employeur et les collaborateurs et qu'on joue le rôle d'assistante sociale, de maman, de tantine, de grand-père et autres,
on n'est pas des spécialistes de la psychologie pour autant. Donc, il faut se faire aider, je crois. Et également, en matière de communication, si on n'a pas tous les outils pour faire de la communication et qu'à côté, on a des responsables de communication ou dans la société, s'il y a un pôle communication, il faut demander de l'aide. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ne doit pas travailler en silo et on doit pouvoir faire intervenir toutes les compétences au sein de l'entreprise. Et même, enfin, on dit distanciation sociale, oui, mais en même temps, on ressent tellement le besoin de se socialiser parce qu'on a peur finalement d'être seul qu'il faut qu'on puisse trouver, se réinventer, quoi. Comment est-ce qu'on va communiquer ? Moi, je sais qu'en partageant avec plusieurs DRH, il y en a qui me disaient, chaque lundi, j'appelle toute mon équipe, j'appelle chacun individuellement. Dans certaines entreprises, tous les matins, il fallait envoyer un message à son manager ou au DG juste pour dire, bonjour, je vais bien, bonjour, ma famille va bien. Et c'était juste ça, mais ça devenait... ça devenait quelque chose d'obligatoire. Et rien que des petites astuces comme ça, ça permet aussi de rassurer le personnel, de dire on ne nous a pas abandonnés à la maison. D'accord? Donc, je crois que pour revenir à la question de Pat, beaucoup d'écoute, comme l'a dit Mehdi, de la communication. Et si on a peur ou on n'a pas tous les outils, il faut se faire accompagner et faire intervenir de vrais spécialistes de la psychologie du travail. Voilà, merci. Mianda, tu es en mute. Tu es en mute, Mianda. Bien ajouté. Bien sûr, merci David. Beaucoup. Mais, David, ajoute, oui, bien sûr. Effectivement, donc, comme Diane a dit, c'est très capital, l'accompagnement psychosocial en milieu professionnel. Et donc là, je demande à nos amis des DRH de ne pas hésiter d'avoir des conseils des psychologues, surtout des cliniciens, qui peuvent leur donner, n'est-ce pas, quelques théories et des pratiques et des outils, n'est-ce pas, pour renforcer, n'est-ce pas, les relations interpersonnelles. Mais aussi, ce qu'il faut aussi noter dans l'intervention de Diane, la distanciation sociale crée automatiquement une distanciation psychologique. Et donc, déjà, le fait qu'on vous dit oui, il faut masque tout moment, il faut distance, et psychologiquement également, les gens sont distants. Et quand les gens sont distants, ça impacte sur les relations interpersonnelles et voire même les relations professionnelles. Et ça devient dangereux, n'est-ce pas, dans un contexte de performance. Et donc là également, il faut privilégier donc la communication, une communication interpersonnelle et une communication authentique au vrai sens du mot. C'est-à-dire qu'il faut vraiment communiquer, il faut être en relation à tout moment avec le personnel. Et également, n'hésitez pas, quand vous décelez des cas majeurs, des cas chroniques, n'hésitez pas de contacter les psychologues cliniciens qui peuvent effectivement vous appuyer. Mais en fait, il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise n'est pas un hôpital clinique. Il faut simplement confier et recommander auprès des hôpitaux, n'est-ce pas, concernés, spécialisés en la matière pour vraiment des cas, effectivement, des cas cliniques. Merci. Merci beaucoup, Pata. Communication, c'est revenu venant de tous nos panélistes comme conseil, comme orientation spécifique par rapport à la reprise. C'est une chose dont il faudra tenir compte. Mais il y a une question de l'audience que je vais me permettre de poser. Elle vient de M. William Béa. J'aimerais peut-être dire quelque chose entre deux. Oui, vas-y, Al, vas-y. La question était pour toi, Al. Donc, on te pose la question. La question était pour toi aussi. Voilà, on te pose la question et après, donc, tu rebondis sur ce que Diane et David ont dit et tu réponds à la question plus tard. Ça te va? Quelle est la question? Voilà. Alors, la question est relative à la gestion de carrière. Est-ce que cette gestion de carrière cette gestion de carrière dont vous avez parlé concerne tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'il faut y répondre de la même manière? Je vais commencer par répondre à cette question. On ne peut pas répondre de la même manière dans tous les secteurs. Sinon, ça aurait été très facile. C'est pour ça qu'il est important d'analyser de manière précise les contraintes
qui existent maintenant et qui sont liées aux nouvelles contraintes, à la crise du Covid, pour être en mesure de faire du design des solutions. À mon avis, la seule chose qu'il ne faut pas penser qu'on peut faire changer, c'est le business lui-même. Même lui, on peut le changer, on peut l'adapter aux nouvelles contraintes. Si le business lui-même change, ça veut dire qu'en fait, les outils devront changer, les systèmes devront changer, les procédures devront changer, et donc les hommes peuvent changer. Et donc, il faut être au cœur de l'innovation. Ce n'est pas possible de faire après le Covid comme avant le Covid. Mais maintenant, moi, mon petit commentaire que je voulais faire tout de suite par rapport aux deux intervenants de tout à l'heure qui ont beaucoup insisté sur le rôle des psychologues, dans ce pays où nous sommes, quand tu dis que tu es psychologue, on pense que tu traites les fous. En fait, les gens ne se rendent même pas compte qu'en réalité, un psychologue est un partenaire de vie de tous les jours. Lorsque vous êtes dans un traumatisme et nous avons vécu un traumatisme collectif, nous devrions être en mesure de nous faire assister. Et maintenant, la question, c'est si vous faites l'inventaire des médecins du travail, vous risquez de vous rendre compte que nous sommes dans un désert ici. Si vous allez chercher les psychologues et vous allez chercher les psychologues du travail, je peux vous garantir que vous êtes dans un désert total ici. Et je pense qu'en ce moment particulier, lorsque nous allons commencer à réengager les discussions avec la force publique, je veux dire les partenaires publics, il faut insister sur le fait que pendant trop longtemps, nous n'avons pas valorisé un certain nombre de métiers qui se retrouvent aujourd'hui être des métiers qui sont au cœur du bien-être collectif. Et cette question des psychologues et des médecins du travail revient à la surface de manière tout à fait imposante. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Alors, psychologue de travail, appui psychologique qu'on ne trouve pas nécessairement en interne, le DRH est peut-être regardé avec cette perspective de par les employés, qu'on se le dise, tous les besoins qui sortent en dehors aussi des performances, mais aussi la prise en charge sociale qui va vers le DRH, va inclure au fait ce besoin-là psychologique. Est-ce que les entreprises sont préparées à pouvoir disponibiliser ou mettre en place des mesures pour qu'il y ait cet accompagnement psychologique dans le milieu du travail? Un élément, vous me permettez? Vous me permettez? Oui, s'il vous plaît. Les psychologues sont formés. À l'Université de Kinshasa, vous avez toute une faculté de psychologie où vous avez la psychologie du travail, vous avez la psychologie clinique, vous avez la psychologie scolaire et vous avez la psychosociologie des organisations. Le problème, c'est que vous êtes censé comprendre que il y a une transformation profonde, n'est-ce pas, en termes de spécialité en milieu professionnel. Et donc, dans les entreprises, il n'y a plus des postes classiques, des sciences classiques, où vous avez un poste de sociologue, un poste de psychologue, etc. Et donc, aujourd'hui, l'architecture, n'est-ce pas, du monde de l'emploi, présente des postes opérationnels. Donc, question maintenant, cela dépend de la politique de l'entreprise, de privilégier une interdisciplinarité lorsqu'ils font effectivement des recrutements. Par cette moyenne-là, que les entreprises pourraient, n'est-ce pas, diversifier et avoir, n'est-ce pas, plusieurs compétences, n'est-ce pas, jumelées. Et donc, les psychologues sont là, les cliniciens sont là. C'est question simplement que les entreprises puissent introduire, n'est-ce pas, cette politique, n'est-ce pas, la politique, n'est-ce pas, de diversité en termes de compétences et des disciplines. Merci, Pata. Très important. Je vais revenir sur ce que tu as dit dans notre mot de clôture. Il nous reste 4 minutes. On va essayer de prendre la question de Marie-Laure, à qui j'ai donné la parole. Donc, j'ai ouvert le micro de Marie-Laure. J'espère qu'elle est là. Marie-Laure, vous nous entendez ? Oui, je suis là. Parfait. Oui. Vous aviez une question, Marie-Laure. À qui la dirigez-vous, votre question ? Je la dirige à deux personnes, à Mehdi et à Diane. Ok, très bien. Allez-y. Oh, oui, moi, je suis Marie-Laure Abouem-Onea. Je suis chef département ressources humaines. Au Cameroun, dans une entreprise du secteur pétrolier. La gestion du télétravail, c'est vrai que ça fait gagner du temps peut-être et un peu d'argent à l'entreprise, mais moi, en tant que RH, comment je vais évaluer le temps réel de travail de mon personnel et comment je vais gérer les congés qui sont une exigence légale dans notre environnement socio-professionnel? Merci.
Diane, tu as des éléments, tu souhaites que je commence? Alors Mehdi, juste avant de commencer, Mehdi, je veux juste demander à mes panélistes et bien sûr à l'assistance, si c'est OK, on a quelques questions encore, si c'est OK de prolonger de 5 minutes, donc au lieu de terminer à 17h30, on termine à 17h35. Vous êtes OK avec ça? Pas de souci pour moi. Oui. Parfait. Donc je te laisse la parole, Mehdi. Très bien. Alors, merci pour la question qui est très, très intéressante et totalement d'actualité. En fait, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de réponse toute faite pour l'instant. C'est des choses qu'il faut définir contractuellement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, gérer le télétravail en période de crise, il faut pouvoir faire des choses très vite pour que les choses avancent et fonctionnent. Maintenant, ancrer le télétravail sur la durée, il va falloir bien évidemment réfléchir à contractualiser tout ça et à mettre ça noir sur blanc, mettre les obligations et les droits et les obligations de chacune des parties, de l'employeur et de l'employé, noir sur blanc sur un contrat de travail. Du coup, sur la période de crise actuelle, comment gérer ça? Peut-être avoir un échange qui va se cascader au niveau du management, commencer au niveau du top management et cascader ça au niveau de l'ensemble des équipes, de dire il faut avoir des discussions très simples, très concises avec les collaborateurs sur le cadre de travail du télétravail, c'est-à-dire quels sont les horaires travaillés de chaque jour, quels sont les horaires sur lesquels un collaborateur doit impérativement être joignable, quels sont les jours de travail. Quels sont les horaires aussi sur lesquels le collaborateur ne peut pas être joignable. Ça, c'est très important aussi pour séparer un petit peu la vie privée de la vie professionnelle. Et puis, assurer un suivi. Il n'y a pas un suivi unique pour l'ensemble des collaborateurs. On va schématiser un petit peu lorsqu'on est face à des populations qui sont en exécution, en maîtrise. Il y a lieu de faire jouer un management de proximité, des appels surprises, des sollicitations surprises, etc., pour voir un petit peu comment les choses fonctionnent. Chez d'autres équipes, peut-être de cadre ou de cadre supérieur, on va plus fonctionner sur des objectifs que sur un nombre d'heures de travail. Dire, moi, j'ai besoin de tel livrable à la fin de la semaine. Après, tu travailles comme tu veux pendant la semaine. Ça te concerne. Voilà, adapter un petit peu l'approche en fonction des équipes pendant la période de crise. Mais clairement, après la fin de la crise, il va falloir contractualiser tout ça clairement sur les documents contractuels et puis mentionner clairement quels sont les droits et les obligations de chaque collaborateur par rapport au télétravail. Et puis ça, c'est le volet juridique. Le volet réglementaire, c'est un peu plus compliqué. Je vous donne un petit exemple que j'ai vécu ici avec un client en Algérie. C'est un client qui a fait un peu de forcing, un peu de lobbying auprès de l'administration sociale en Algérie, pour essayer d'accélérer un petit peu le processus de légifération sur le télétravail. Donc, le législateur ne va pas spontanément réfléchir à une loi ou à un décret sur le télétravail. Du coup, il faut que l'employeur soit aussi force de proposition pour pouvoir faire bouger les choses un petit peu sur le point de vue légal. Est-ce que tu veux ajouter ? Oui. Merci Mehdi. Donc juste pour ne pas revenir sur ce que Mehdi a dit, je pense que cette période nous a obligés à avoir beaucoup de flexibilité dans la gestion de nos collaborateurs. Eux, ils se sont adaptés, les managers aussi se sont adaptés. Donc en plus des contraintes technologiques d'Internet, les collaborateurs, je pense, ont beaucoup donné, ont souvent travaillé le week-end et donc forcément, ils restent au travail malgré tout et comme Mehdi l'a dit, le plus important, c'est l'organisation qui a été mise au départ, de mettre des règles, de dire, OK, tous les matins, on se connecte tous à partir d'une certaine heure pour être sûr que tout le monde ait envie, parce que c'était déjà une question de survie au mois de mars, avril. Et ensuite, les travaux qui sont donnés, est-ce qu'ils sont donnés sur un rythme hebdomadaire? Est-ce qu'ils sont donnés sur un rythme quotidien, ça, le management devrait d'abord mettre des bases de travail pour que les collaborateurs suivent. Il ne s'agit pas maintenant de faire du flicage aussi de collaborateurs. Donc, être flexible pour que de part et d'autre, la relation continue de tourner comme il se doit, mais surtout qu'on arrive à atteindre les objectifs de performance de l'entreprise.
Sur la question des congés, il est évident que juridiquement, rien ne change. Les personnes sont restées au travail et quand la période qui ouvre droit à la prise au départ en congé vient, bah, la personne est mise en congé selon le canal habituel. Peut-être qu'effectivement, il y a plus d'échanges. Nous avons perdu Diane. J'ai envoyé des courriers jusqu'ici. Pardon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, je disais que sur la question des congés, pour l'instant, c'est vraiment comme d'habitude, quoi. Les personnes ont été au travail, elles ont régulièrement rendu leurs travaux, elles ont atteint leurs objectifs dans la mesure. Du possible, tel que ça avait. Entreprises qui n'ont pas fermé, mais hein, les assureurs, donc il y a pas mal de secteurs d'activité qui sont restés actifs. Et même pour les autres où il a fallu faire des réaménagements de temps, bah, les gens ont travaillé et ils méritent d'aller en congé. Donc, alors, merci beaucoup, Diane. Pata, tu voulais intervenir très rapidement? Oui, juste une petite contribution rapidement. Donc, vous comprendrez que l'analyse d'impact devient une nécessité. Oui. Et donc, dans cette logique, on comprend que, avec la notion de télétravail, l'unité de mesure du travail n'est plus simplement la durée réelle réalisée au travail et les objectifs. Mais il faut introduire un aspect important, le résultat. Donc, là maintenant, vous avez compris, on a compris la flexibilité, n'est-ce pas, en termes de management du travail au niveau de l'agent. C'est de pouvoir s'organiser comme il veut, mais il doit produire les résultats qu'on attend de lui. Et donc, en termes de réflexion, je crois que le management, le modèle de management doit maintenant changer. Il faut revoir maintenant comment changer le modèle de management. Au lieu de se limiter à l'approche classique qui est presque ancienne des objectifs, il faut maintenant se projeter vers les résultats parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi les résultats. Et d'ailleurs, vous verrez quelqu'un qui vous dit il a atteint les objectifs, mais lorsque vous regardez les résultats, le résultat n'est pas là, mais l'objectif est atteint. Et donc, je crois que le télétravail doit prolonger la réflexion, même en termes de modèles de management que nous devons maintenant utiliser dans les jours à venir. Merci, Pata. Alors, avant de clôturer, il ne nous reste que 2 minutes. J'ai une question. On a beaucoup parlé de télétravail, on a beaucoup parlé de communication. Alors, on a une question de clôture par rapport au télétravail que l'on va poser à Al, et une autre question de communication qui va être posée à Edith. Moi, je pose à Al le télétravail. Donc, c'est une question de William Béa également. Le télétravail va-t-il permettre de sauver des emplois? Le télétravail va absolument permettre de restructurer les coûts, y compris des occupations des espaces. Ça veut dire qu'en fait, on peut se sous-dimensionner et faire des économies et les investir dans du matériel, mais également le télétravail va réduire les coûts de transport. Ce qui veut dire qu'en fait, l'entreprise qui payait les frais de transport peut se permettre de convertir ses moyens financiers en moyens technologiques. Maintenant, toute la question est de dire, à partir du moment où on a réduit un certain nombre de coûts, est-ce qu'on est capable de générer plus d'avantages qui peuvent être restructurés en faveur de l'entreprise et des employés? La réponse est oui. Et aujourd'hui, le télétravail est une véritable opportunité qui va absolument alléger les charges des entreprises et donner une opportunité à celles-ci. Mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des pays africains, le télétravail ne fait pas partie du code du travail. Et donc, ça en appelle à une révisitation du code du travail pour être en mesure d'intégrer ces nouvelles contraintes. Merci beaucoup, Al. Alors, moi, je vais poser la question à Edith. Edith, are you still with us? Edith? Yes, Mianda, I'm here. So much has been said. I know it's been flowing a little bit. The reason why we didn't send back the debate toward you is because your keynote has beautifully englobed a lot of the intervention that was actually given here. So what you said in terms of describing the context in which we are actually and how we can plan this return to work and to this new normal was really highlighted mostly in all the intervention. And one of the key aspect that was coming back in each intervention was communication as being the key.
communication is being the key in embracing this new normality, because on either side of the employees or the employer, it's very important to understand the engagement, the responsibilities of each. Now, talking about this communication edit, how do we make sure that it is targeted and it is the communication that we need to support this return to work after working remotely for a long time? How do we evaluate? How do we make sure that we're using the right communication tool for this new normality? Okay, thank you for that, Meander. And for that, I think I want to refer you that this is not the first time that the world of work has had to deal with a pandemic. If you know, can I draw lessons from the HIV era, where the world of work was challenged with addressing that epidemic in some countries and pandemic in others, to look at how those workplace programs, HIV programs, were actually implemented. And when you look at that, you see that there are many similarities between how a workplace HIV program or a workplace wellness program could also be used to translate to an to a COVID response in the workplace. So we need to consider models that have worked before, which include, for example, social dialogue. How can you use social dialogue to engage both the employer and the employees to agree on the communication models, communication strategies, and the communication sensitivities? I heard one panelist address the issue of stigma and discrimination in the workplace. And I would like to add to that to say, we need then to have platforms which engage in a consultative process between management and employer representatives, and then agree on what models of communication will be used and the business response to addressing COVID in the workplace. And I want to emphasize that we need to have engagement and include social dialogue in how we do that. It is also going to include processes such as reskilling committees and capacitating committees towards COVID awareness, COVID prevention, and the response, and the roles of the workplace communities in communicating the business approach to their peers in the workplace, and sort of find ways to have that continuum of care from prevention, diagnosis, and treatment. There are going to have to be communication strategies, communication packages that are implemented in a consultative manner with the employees. And again, I guess also tied with that, and perhaps also in part of my closing, I want to say we mustn't forget the individual responsibilities towards their own health. The business environment can support, they can have all the communications strategies in place to address COVID. But if the individual does not take responsibility for their own health, nothing's going to move. So progress is going to have to be made when individuals take responsibility for their own prevention, and individuals do what they need to do to enhance and increase their own immune system so that it can be at an optimum in the event, in the unlikely or undesired event that they do contract COVID. We want people to be able to recover without ever needing hospitalization. I think those are additional comments from me for the discussion. Very good. Thank you so much, Edith, for that. It's very important. As you said, communication, yes, but it has to be defined on a consultative basis around the dialogue so that we are sure of that ownership that you're talking about. Donc voilà, on a parlé communication. Edith a encore mis un accent sur cet aspect-là dont, qui ressort que cette communication, ce modèle de communication qui va définir la nouvelle normalité doit découler d'un dialogue social pour que toutes les parties concernées puissent être engagées, puissent s'approprier aussi de sa responsabilité individuelle
Donc, c'était plus ou moins ce que Edith a voulu en partie accentuer, parce que toutes les stratégies peuvent être développées, mais au niveau individuel, il y a quand même une responsabilité qui incombe à chacun de s'assurer qu'on est performant, on est motivé, on fait partie de l'équipe, bien qu'on était en télétravail, mais aussi qu'on se protège et qu'on protège aussi les autres dans le contexte donc, de la COVID-19. Voilà. Merci Mianda. Alors, on vous a bouffé beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu, mais ce sont des questions pertinentes et c'est la raison même de Kelo Bantu, de pouvoir dialoguer autour de questions de notre capital humain afin de pouvoir trouver les solutions nécessaires. Avant de clôturer, je vais vous laisser 30 secondes à chacun, les panélistes, 30 secondes à chacun, afin de pouvoir juste dire ou lancer un dernier message aux participants qui sont là. Et juste après ça, nous allons donc clôturer la session. On commence avec Diane, les femmes d'abord. 30 secondes, Diane, ouvre ton micro. Il ne te reste que 23 secondes maintenant. Stay safe. Vas-y. Voilà, stay safe. Voilà. Stay safe, magnifique. David Bata. OK, donc ce que je recommande, c'est le renforcement des capacités en termes d'utilisation des outils informatiques qui devient une nécessité. Merci. Mehdi Boulares. Moi, je dirais que ce Covid, en dehors du drame sanitaire, est un merveilleux accélérateur de leadership et de développement personnel. Saisissez l'opportunité pour vous développer. Magnifique. Saisissez l'opportunité pour vous développer. Al Kitenge. Ce moment particulier de la crise est tout à fait indiqué pour que l'innovation soit au cœur de la transformation sociétale au niveau des entreprises, mais également au niveau individuel. Il ne faut pas avoir peur de sauter dans l'inconnu. Merci. Ne pas avoir peur de sauter dans l'inconnu. Edith, a last word that you want to give to our attendees. A last advice. Last word is let's not be overwhelmed by COVID. We've dealt with pandemics before, and we can draw lessons learned from how we addressed other pandemics in the world of work and use the same to apply in our response to COVID. I like to say COVID is the new HIV. We've done it before and we can continue to do it. Thank you. Thank you. What a wonderful way to finish. Mianda, you also get a last 30 seconds. Your mic. Microphone. En français ou en anglais? En fait, j'étais perdue dans les deux langues. Comme tu veux. D'accord. Moi, je vais juste inviter nos panélistes et nos participants à continuer à faire partie de la plateforme, d'accompagner cette initiative pour qu'il y ait ce genre de dialogue qui mène vers des pistes, des solutions dans l'avenir, pas seulement dans les moments de crise, mais aussi dans l'optimisation de nos performances. Voilà. Merci. Alors, moi, mes dernières 30 secondes sont effectivement sur le webinaire. Le forum Kelo Bantu qui va se passer entre le 25 et le 27 septembre, où nous allons continuer à discuter et aller même plus en profondeur des questions qui ont été posées, où nous allons avoir des séances de formation ou en tout cas des séances d'introduction formation en best practice, en diversité. Il y a deux semaines, lors du webinaire Diaspora, on a parlé de créer un Diaspora Act sur la RDC. Donc, Kelo Bantu et le forum de Kelo Bantu est juste là pour ça, afin que nous, les experts en ressources humaines, tous secteurs confondus, puissent se retrouver et dialoguer, et que les employés et les employeurs se retrouvent. Sur ce, je veux remercier nos panélistes, nos 5 panélistes, et j'espère que vous allez pouvoir tous être présents le 25 septembre à Kinshasa. Nous allons évidemment continuer à avoir des discussions et nous allons parler personnellement au président pour qu'il assure une ouverture de nos frontières afin que vous puissiez être là.
Encore une fois, merci à tous, merci à nos partenaires. Pardon, excusez-moi. Merci à UFM 94.7 qui a diffusé tout ce panel live à la radio. Edith, thank you very much for being here, all the way from Zimbabwe. Mehdi, merci d'être venu ou de participer à partir de l'Algérie. Et bien sûr, Diane, notre voisine qui est présente au Cameroun. Pata, toi, tu es en RDC, donc tu es beaucoup plus accessible. Al, de même. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous, les participants, d'avoir passé quasiment 2 heures avec nous. Au prochain webinaire, qui est un webinaire sur les forces vives de l'Afrique, où on va parler juste de la capitalisation, comment capitaliser sur les atouts que constitue la diversité de notre population. Voilà. Pour être partenaire de Kelobantu, Mianda, il y a une adresse. Oui, bien sûr, pour être partenaire à Kelobantu, vous pouvez aller. J'espérais voir le lien, ou le slide directement sur l'écran. Je suis encore dans la thématique. Oui, mais allez sur Kelobantu. info@kelobantu.org. Voilà. Posez vos questions. Voilà. Sabrina l'a bien écrit aussi dans le chat. Donc, posez vos questions. Alors, Kelobantu est une activité à but non lucratif. Donc, c'est important de le dire. Donc, envoyez-nous des mails et voyons comment est-ce que nous pouvons renforcer les capacités de nos ressources humaines. Encore une fois, merci et au revoir à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, au revoir et à la prochaine. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.